laisse tomber les mains vers le sol. Et on va balancer un bras puis l'autre. Et tourner la poitrine du côté du bras arrière. Voilà. Bien laisser tomber vos bras, jeter vos mains. Okay. On relâche les bras vers le bas. On va enrouler les épaules vers l'avant en haut, derrière en bas, devant en haut. On va bien mobiliser les omoplates sur la cage thoracique. Encore une fois, devant en haut, derrière en bas, on change de sens. On va derrière d'abord, puis devant. Derrière en haut, devant en bas. Derrière en haut, devant en bas. Encore une fois. Okay. On relâche les bras vers le bas. On va incliner la tête à droite. On descend l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on redresse l'oreille gauche sur l'épaule gauche. On essaie de ne pas bouger le corps, hein. On s'auto-grandit, bien prendre appui dans le sol pour se grandir et vraiment laisser tomber l'oreille sur l'épaule tout en relâchant les épaules. Encore une fois de chaque côté, bien aller chercher l'étirement sur le côté et une dernière fois. Ok, on redresse, on fait la même chose vers l'avant, descend le menton sur la poitrine. Et on redresse, on va chercher la poitrine avec le menton, retirer l'arrière et redresse, encore une fois, menton, poitrine, redresser et menton, poitrine à nouveau et redresser. On va entrelacer les doigts, vous allez pousser les bras vers le haut, donc on va pousser le plafond avec les mains, on inspire et on expire, on relâche, on inspire, on pousse le plafond avec les mains. On souffle, on relâche, encore une fois, inspire, poussez le plafond avec les mains, et soufflez, relâche. On saisit le poignet droit avec la main gauche, tirez le bras vers le haut, inspire, et on expire, on incline le buste du côté opposé. On inspire, on reste, et on expire, on redresse. On fait encore une fois, on tire la main vers le plafond, inspire, expire, incline, inspire, reste, expire, redresse. On change de côté, on saisit l'autre poignet, inspire, tire vers le haut. Expire, flex, inspire, reste, expire, redresse, encore une fois, tire la main vers le haut, inspire, on flex, on expire, on inspire, on remplit bien le poumon, on va tirer, et on expire, on redresse. Très bien, on relâche les bras, on va saisir la tête avec la main, et descend doucement l'oreille vers l'épaule, poussez la paume de main opposée vers le sol, inspirez deux, trois fois, tirez doucement. Encore une fois, inspire, expire, redresse, on change de côté, là, on pousse la paume de main vers le sol, on inspire, on tire gentiment, on descend, encore une fois, expire, montez les bras aussi où vous pouvez, sans enlever les épaules, et descend, inspire, et une dernière fois, on expire, on monte les bras sans monter les épaules, on reste là, on glisse les omoplates vers les oreilles, toujours un exercice de traction sur la serviette, on descend les omoplates vers les fessiers. On monte vers les oreilles, on descend vers les fessiers, on monte vers les oreilles, on descend vers les fessiers, encore une fois, on monte vers les oreilles, inspire, et souffle et descend vers les fessiers, on descend les bras devant, alors, toujours en exerçant de traction, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on tire les mains vers l'avant, on inspire, on souffle, on serre les omoplates l'une vers l'autre, on inspire, on les éloigne, on expire, on les rapproche, encore une fois, inspire, éloigne. Et expire, rapproche. Et on relâche. On va tenir la serviette derrière le dos. Toujours exercer une traction dessus. On inspire. On va souffler, monter les bras. Aussi, vous pouvez sans monter les épaules et sans pencher le buste en avant. Et on descend. On expire, on monte les bras sans monter les épaules. Et on descend. Expirez, montez les bras sans monter les épaules. On descend, inspire. Toujours en exerçant une traction. On monte aussi où qu'on peut. Très bien. Et on relâche. Ok. On met le bras droit au-dessus. Vous lâchez, vous pliez le bras. Vous allez chercher la serviette le plus haut possible. Donc on tire la serviette vers le haut avec la main du haut. On relâche. Et on tire la serviette vers le bas avec la main du bas. Et on relâche. On tire vers le haut avec la main du haut. On relâche. Et vers le bas avec la main du bas. Et relâche encore une fois. Aspire, monte. Et relâche, étire vers le bas. Et on relâche, très bien, on change de côté. On met l'autre bras en haut, on va chercher la serviette le plus haut possible. Bien redresser la tête.
Et on est parti, on tire la serviette vers le haut avec la main du haut. On relâche, vers le bas avec la main du bas. Et relâche, vers le haut avec la main du haut. Très bien. Et vers le bas avec la main du bas. On relâche encore une fois. Vers le haut avec la main du haut. Et vers le bas avec la main du bas. Et on relâche. Très bien. Pour lâcher, on peut déposer la serviette. J'ai les coudes. Ça va. Vous allez monter les bras aussi, vous pouvez sans monter les épaules. Donc on monte les bras, on descend les omoplates. Plus haut, Caroline. Voilà. Baisse les épaules par contre. Ça va. Vous exercez une pression sur vos mains. Donc on tire les coudes vers l'extérieur comme si on voulait les détacher des mains. Et on va en inspirant, toujours en tirant les coudes vers l'extérieur, pointer le sternum vers le plafond. On inspire et en expirant, on relâche. Inspirez comme si vous vouliez éclairer le plafond avec le sternum. Et soufflez, relâche. Encore. On tire les coudes vers l'extérieur sans monter les épaules. Et expire, relâche. Encore, Caroline, éclaire vraiment le plafond avec ton sternum. Lève la poitrine. Et soufflez, relâche. Poussez sur vos mains avec vos coudes. Relevez le sternum au plafond. Inspire. Expirez, relâchez. Encore une fois, on inspire, on relève. Et on expire. On relâche très bien et on relâche les bras. Ok. On compte le mur, on va étirer l'avant de l'épaule. Donc vous allez placer les bras tendus, la main contre le mur. On voit. Ouais. Les doigts bien ouverts, la main à hauteur de l'épaule. Hein. Ouvrez bien vos doigts et vous tournez les pieds, le buste, la poitrine du côté opposé au mur. Bien baisser l'épaule. Quelques inspirations. Expire. Inspirez et expirez. Encore, on inspire et on expire. Et on change de côté, on fait la même chose de l'autre côté. Charlotte, peut-être tu peux plier ton bras, mets-le à l'angle droit. Voilà. Donc avec le bras tendu, avec le bras fléchi, même chose, tournez les pieds, la poitrine, l'épaule loin de l'oreille, le dos droit est long. On inspire et on expire, on tourne. Tournez encore un peu si vous pouvez. Et soufflez, tournez. Et expirez, tournez. Ah, ok, et relâchez. Bien, face par ici. Les poignets. On va étirer les poignets. Vous allongez vos bras. Vous ouvrez bien vos doigts. Vous tirez les doigts vers vos cuisses. Là. Et vous relâchez. On tire les doigts vers les cuisses. Bien ouvrir les doigts. Écartez-les au maximum. Et toujours relâcher les épaules. Voilà. Encore une fois, on tire les doigts vers les cuisses en ouvrant bien les doigts, écartez vos doigts l'un vers l'autre. Et on va tourner les poignets dans un sens. Merde, on voit ma main. Et dans l'autre. Ah, ok, et on relâche les bras. Bien, nickel.